y a du sommet à chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour cette nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc du 17 au 23 juin 2024. Comme d'habitude, prenez du recul, ayez du discernement. Si le message vous parle, tant mieux. Si vous parle pas, et bien écoutez, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et s'il n'y a aucun message qui vous parle, bah, c'est pas grave. Passez votre chemin, hein, parce que j'ai reçu encore des beaux messages très agréables. J'efface maintenant, je ne me prends plus la tête, je les efface. Donc, ne gaspillez pas votre énergie, hein, si vous écoutez cette vidéo et que ça ne vous parle pas, et que vous avez envie de me laisser un petit message un petit peu complètement à côté. Bref, passez votre chemin, c'est tout. Votre message sera effacé directement. Voilà la décision que j'ai prise. Mais avant de couper et d'entamer le vif du sujet, je vais vous donner du coup les quatre noms, les quatre personnes qui ont gagné une guidance voyance de 15 minutes. Donc je vous donne les quatre noms et ces personnes, si elles écoutent cette vidéo, je vous invite à me contacter par mail à contact@lesintuitionsdejessica.fr afin de convenir d'un rendez-vous pour pouvoir vous faire du coup votre prestation de 15 minutes. Ok ? Ta-ta-ta-ta ! Allez, on est parti, les quatre noms. Alors, du coup, les personnes qui ont gagné, donc Lydie, Pot de Vin 823, Cocoman 3430, Patricia Lebeau 3665 et Lonap 7976. Voilà les quatre personnes en tout cas qui ont gagné une prestation de 15 minutes. Donc je vous invite vivement à me contacter le plus rapidement possible également afin de voilà, fixer les rendez-vous parce que mon agenda se remplit assez vite. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter au plus vite. Voilà, voilà, voilà. Et ben en tout cas, félicitations à ces quatre personnes. Malheureusement par rapport aux autres, parce que vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à participer à ce concours. Je ne m'attendais pas franchement à avoir autant de personnes. Donc merci infiniment. Je sais qu'il y aura des déçus, mais voilà, j'ai envie de vous dire partie remise parce que j'en referai d'autres, il n'y a aucun souci. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là et puis ça y est, on est parti, signe par signe, pour vous, pour cette énergie. A tout de suite ! Mes chers et tendres poissons, ça y est, on est parti, on va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 17 au 23 juin 2024. Allez, je me concentre, je vais tirer quelques cartes avec ce petit oracle, on va aller voir un petit peu l'énergie principale et après on ira regarder avec d'autres cartes. Qu'est-ce qui se passe ? Apprentissage, formation, conflit, procès, dispute. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On en sent que vous êtes tiraillé cette semaine. Pleurs, chagrin, grosse déception, libéré, liberté. Oh, et on voit rébellion. Qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les poissons, cette semaine? Et on voit que c'est vous vraiment le consultant, la consultante. Est-ce que vous êtes tiraillé parce que vous avez peut-être des propositions qui sont en train de tomber ou tout simplement que là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer dans votre vie? Et que du coup, vous êtes un petit peu déstabilisé, vous êtes un petit peu, on va dire, entre deux, à accueillir justement cette déception, à faire peut-être le deuil, et du coup, à passer l'étape suivante, avancer. Moi, c'est comme si là, soit pour certaines personnes, vous allez peut-être vous prendre la tête, peut-être avec une personne qui éventuellement est en formation, ou du moins c'est vous qui êtes en formation, que vous allez éventuellement peut-être rencontrer des difficultés avec une personne de votre entourage. On voit que c'est, il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous rend vraiment un petit peu nébuleux, nébuleuse, qui est pas forcément, on sent que vous n'êtes pas forcément à l'aise là où vous êtes. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez peut-être avoir ce conflit avec cette personne et qu'on va sûrement vous inviter à un moment donné à vous positionner, ne pas rester en arrière, ne pas attendre que la situation peut-être s'améliore ou du moins s'apaise, mais de vous mettre en devant et en exprimant ce que vous avez également sur le cœur. Peut-être que certaines personnes là ont trop accumulé, ont trop gardé en elles-mêmes et qu'aujourd'hui, ben, du moins cette semaine, il va y avoir un trop-plein qui va faire que du coup vous allez exploser, que la cocotte minute va exploser. On a quoi en dos de deck? On a également l'invitation et les propositions. Alors est-ce que pour certaines personnes là, c'est peut-être sentimentalement qu'il y a quelque chose qui s'est passé hein, et que là on vous a un peu, ou du moins l'univers vous fait comprendre que
cette relation, ou du moins cette situation, était un simple, on va dire, apprentissage entre guillemets. Je parlerai plus que une leçon pour vous permettre justement d'évoluer, d'apprendre et peut-être de vous positionner concrètement. Ok? Bon, on va aller voir de toute façon avec Madame Indira, mais je ne serais pas étonnée, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes attristée parce que vous avez peut-être fait une demande de formation et que le financement n'a pas accepté, ou du moins, si vous êtes en poste, que vos supérieurs n'ont pas validé cette demande éventuellement aussi. Hein. Allez, on est parti, on va aller voir pour les poissons. On va aller faire une coupe, donc du 17 au 23 juin pour les poissons. Regardez, il y a le déplacement, il y a le changement par rapport à de l'argent. Il y a une folle envie, hein. Je sens qu'il y a vraiment, vous êtes dans une énergie où il y a besoin d'avoir de changement, il y a besoin d'avoir de la nouveauté qui rentre chez vous, et on parle de la sagesse. Alors, ouais, est-ce que certaines personnes, là, vous rentrez, ou du moins, vous avez une envie fulgurante de rentrer en formation, peut-être en lien avec la spiritualité, en lien avec le domaine vraiment de développement personnel. Et on voit quelque chose d'inattendu, il y a des nouvelles inattendues qui arrivent à vous, à votre domicile. Et on vous dit que ça va vous mettre vraiment en joie, que ça va vous apporter un sacré bénéfice. Et on parle bien au niveau professionnel. Alors, est-ce que peut-être que vous allez trouver une autre façon d'obtenir ce financement pour pouvoir partir en formation? On vous dit en plus avec ce 10 de pique que pour moi, il y a quelque chose de rapide qui se profile à l'horizon. Et c'est la fin un petit peu des complications, c'est la fin un petit peu des embrouilles. Donc, soit vous avez eu un refus, mais que ce refus-là, pour moi, sera de courte durée parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive chez vous. D'accord? Pour d'autres personnes, c'est comme si là, éventuellement, on va parler à un autre sujet, hein, que là, il y a peut-être une maison en vente. Que vous recherchez une autre location, ou du moins que vous cherchez à acheter, on vous dit que ça y est, cette semaine, il y a quelque chose qui sac, et je pense que ça va être quelque chose d'inattendu. C'est des nouvelles vraiment qui vont vous mettre en joie et qui vont vous permettre d'être vraiment très très satisfait, satisfaite. Ok? Bon, on va aller de toute façon tirer 9 cartes, on va les regarder plus en profondeur pour vous, les poissons. Allez, c'est parti. Hop. Allez, on va aller voir en deux decks. On a le cavalier de cœur et on a la dame de carreau et on a le 5 de trèfle. Bon, alors là, moi, je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un qui bloque quelque chose sur l'aspect financier, sur l'aspect peut-être professionnel, hein, ou qui ne veut pas vous céder quelque chose. Soit vous avez fait une demande particulière, peut-être à votre supérieur, et que celle-ci a bloqué, en tout cas, le dossier ou a bloqué la situation pour pas que vous ayez, en tout cas, ce que vous souhaitez. Je parlerai même pour certaines personnes, c'est comme si pour moi, c'était quelque chose qui était vraiment, qui avait de la valeur à vos yeux, qui était très important, et c'est comme si elle est, alors j'irai pas un refus définitif, mais comme si elle allait avoir un peu une discussion ou bien des échanges un peu complexes avec cette femme par rapport en lien avec de l'argent ou tout simplement en lien par rapport avec un projet, une formation que vous souhaitez peut-être débuter. C'est pas un non définitif parce qu'on a quand même le cavalier de trèfle qui annonce que vous aurez des résultats positifs sur le lien, ou en tout cas sur l'aspect financier. Donc si c'était un quiproquo par rapport sur le plan financier, pour moi, c'est accepté par la suite. Il y a des accords qui vous amènent vraiment à la concrétisation avec ces trois flambeaux. Ok? Et pour d'autres, je vous dirais de faire très attention à une femme autour de vous au niveau professionnel. C'est comme si elle essayait un petit peu de vous écarter peut-être, ou du moins de briller plus que vous. Donc méfiez-vous de cette femme-là. Et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à ce que vous soyez vraiment au devant de la scène cette semaine. Vous sortez le soleil. Côté cœur, vous sortez également la communication. Donc, si vous êtes en couple, on voit que ça va être mis en avant cette semaine. Votre autre va en tout cas être un appui très fort pour peut-être justement vous accompagner et trouver une solution pour trouver peut-être ce financement ou du moins trouver ce que vous avez besoin d'avoir pour
éventuellement partir en formation pour certaines personnes. Et pour d'autres, je parlerai que cette semaine, il va y avoir des pourparlers, éventuellement pour pouvoir peut-être acheter quelque chose, pouvoir concrétiser quelque chose sur le plan sentimental ou du moins matériel par rapport à votre couple, ok? C'est comme s'il y avait une femme d'une cinquantaine d'années, veuve ou divorcée, qui allait vous guider, qui allait vous accompagner pour trouver justement votre bien éventuellement ou pour trouver une réponse à votre problématique que vous pouvez éventuellement rencontrer en ce moment. Vous sortez le 10 de pique qui pour moi annonce rapidement, il y a quelque chose qui arrive, ok? Si vous êtes dans une impasse, les choses s'arrangent plus vite que vous ne le pensez. Et on voit qu'il y a la réussite, il y a la joie, il y a la sérénité qui se profile à l'horizon. Attention tout de même, peut-être parce qu'il y aura un petit couac ou du moins, où vous allez peut-être devoir débourser un peu plus d'argent si vous êtes dans un projet immobilier ou du moins si vous êtes dans une location. Attendez-vous à avoir une facture peut-être supplémentaire, hein, mais qui ne va pas forcément bloquer la continuité, en tout cas, de vos projets. Vous sortez également la mort. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui se termine parce que vous êtes décidé, en tout cas, à mettre les choses en place pour aller vers cette concrétisation, pour aller vers ce nouveau départ. Je parlerai même que pour certaines personnes, si vous avez eu un refus en ce moment ou actuellement, par rapport éventuellement soit pour un financement pour partir en formation, soit éventuellement pour un autre poste, moi, je sens qu'il y a autre chose qui vous attend, mais c'est quelque chose qui sera davantage plus en adéquation avec vos valeurs et avec vos énergies, ok? Et on voit bien que vous sortez la panthère qui est signe, effectivement, il y a un côté un petit peu de développement personnel, spirituel qui va vous accompagner cette semaine. Donc soit c'est vous qui avez un rendez-vous avec une personne pour vous guider, pour vous vraiment vous accompagner dans la situation que vous traversez actuellement, ou tout simplement que vous allez peut-être faire une formation ou que vous êtes en train de réfléchir à entamer une formation sur, pourquoi pas, le développement personnel ou l'accompagnement à la personne. Ok ? On va quand même mettre une carte sur la mort, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Hop. Regardez, vous avez... C'est la fin par rapport à cette femme. Vous avez la réussite, hein, et regardez, il y a des nouvelles qui arrivent sur le plan professionnel. Vous aurez, hein, vous aurez ce que vous attendez, d'accord ? Et pour moi, je pense que vous arriverez à avoir, en tout cas, gain de cause sur cette femme qui n'est vraiment pas tip-top, on ne va pas se le cacher. Hein. Je pense qu'elle est plus là par jalousie, plus là pour un petit peu vous envier. Donc, méfiez-vous tout de même. Mais voilà, vous savez que vous aurez gain de cause sur celle-ci, d'accord ? Allez, on va aller voir avec le jeu de 32 maintenant. On va aller faire un petit tirage pour voir, pour vous. Regardez ce qui tombe. Non, mais lol, quoi. La femme perfide de nouveau. Méfiez-vous quand même hein, de cette personne dans votre entourage, hein, peut-être perso ou même professionnel. Regardez, oh, regardez, vous avez l'as de pique et vous avez le 8 de pique également. Il y a des soucis, il y a de la contrariété, il y a surtout du tracas par rapport, pour moi, à quelque chose de nouveau, un contrat, des signatures. Je pense que ouais, il y a quelque chose qui est refusé, là. Si vous faites une demande ou si vous avez vraiment envie de changer, ça va coincer. Mais ça ne va pas coincer définitivement parce qu'il y a une ouverture qui va se faire et vous aurez gain de cause sur cette personne. Allez, on est parti, on va aller faire une coupe du 17 au 23 pour les poissons. Non mais lol, regardez les amis, on ressort de nouveau la dame perfide. Incroyable. Et on sort également le 10 de carreau qui dit grand changement, grand déplacement également pour certaines personnes. Pour moi, là, il y a un changement de situation qui se profile. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le roi de cœur, vous êtes soutenu. Et on a également, ouais, c'est sur le côté pro. Hein. Il y a de l'argent qui est en jeu. Donc, je vous dis, soit pour moi, elle refuse peut-être ce financement pour que vous puissiez peut-être partir en formation ou que vous puissiez évoluer professionnellement. Mais on voit que vous avez la réussite et il y a la signature. Et regardez, vous avez l'abondance, vous avez l'as de trèfle. OK ? Pas de panique, on voit que ça a été bloqué, que vous avez eu des tracas, que ça n'a pas été facile. Mais pour moi, oui, il y a des solutions qui seront trouvées. Et on parle bien qu'il y a quelqu'un qui va vous soutenir, que vous êtes vraiment ouais, un petit peu anxieux, anxieuse, que vous êtes dans un petit peu, peut-être dans une mauvaise humeur ou du moins dans de la contrariété. Mais c'est de la contrariété qui sera passagère parce que vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez. OK ? Allez, on va aller. Regardez, vous avez, bon, blocage sur de l'argent. Pour moi, et les blocages next, hein, parce que vous avez l'as de trèfle qui annonce que ces blocages vont disparaître très, très, très rapidement. Allez, on est parti pour les poissons. On va aller voir du 17 au 23. Regardez, il y a des papiers, il y a des discussions, il y a des administrations, il y a également des mails
Ça va s'arranger. Pas de panique, ça va s'arranger. Ça va être un petit refus, mais que vous aurez gain de cause parce que vous n'allez pas vous laisser faire et qu'elle n'aura pas le choix, cette personne-là. Allez, c'est parti, on va en prendre 5. Hop. Allez, go. On va aller voir en dos de deck. Oh, on a de la jalousie, on a de la contrariété de nouveau, hein. Ouais. Faites attention dans le cadre impro, hein, parce que vous n'êtes pas forcément entouré de bonnes personnes. Je parlerai de plusieurs personnes, même, notamment de femmes. Méfiez-vous, parce qu'on voit même que ça va à un moment donné vous agacer, vous énerver. Bon, pas de panique, hein, on voit que de toute façon le changement il est là et que vous aurez réussi de satisfaction sur des gens pas forcément très bienveillants. Il y a pour moi des papiers cette semaine pour certaines personnes. Là, vous recevez un document ou du moins que vous avez des bonnes nouvelles sur le plan financier. Alors peut-être c'est une aide supplémentaire qui arrive à vous ou du moins c'est une somme d'argent que vous n'attendiez plus et que ça y est, cette semaine, vous avez des réponses positives par rapport à cette somme d'argent. Allez, il y a le déplacement, ok? Il y a le changement, il y a la concrétisation, les choses se mettent en place. Ok, qu'est-ce qu'on a? Il y a un visuel, un face-à-face. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez faire un déplacement, hein, plus ou moins long, par rapport justement à des discussions ou tout simplement par rapport à des tracas, ok? Par rapport à des soucis que vous pouvez rencontrer, il y a des nouvelles qui arrivent, ok, qu'on soit d'accord. Et ces nouvelles par rapport à des blocages. Ouais, vous aurez, hein? On va aller voir. De toute façon, pour moi, c'est clair et net. Regardez. Alors, soit c'est un contrat qui tarde à arriver, soit effectivement, c'est des signatures par rapport à ce que un achat immobilier, par rapport à une location. Mais on vous dit que ça a peut-être bloqué par rapport à cette femme perfide. Mais pour moi, là, les choses se mettent en place. Vous avez, regardez, elle ressent encore. Incroyable. Non, vous avez satisfaction, regardez. Vous avez satisfaction. Ok, et pour moi, je pense que la réponse va arriver plus vite que vous ne le pensez, hein, comme on l'a vu tout à l'heure en plus avec les hirondelles. Je ne serais pas du tout étonnée qu'il y a des choses qui se mettent en place plus vite que vous ne le pensez. Et pour certaines personnes, c'est comme si pour moi, là, peut-être qu'elle bloquait par rapport à l'aspect financier. Soit qu'elle n'est pas d'accord de vous payer plus, ou du moins qu'elle n'est pas d'accord par rapport au contrat que vous devez signer. Il y a des nouvelles. Vous allez vous déplacer, c'est une certitude. Il y a des choses qui se mettent en place avec affirmation, avec confirmation et qui sont en lien avec l'aspect financier. D'accord? C'est bloqué, ok, ça vous tracasse, ça vous agace même, par rapport parce qu'elle fait tout pour en tout cas vous bloquer. Mais pour moi, c'est clair et net, vous aurez. On va de toute façon recouvrir le 8, hein, le 8 de pique et le 9 de pique. Hein. Mais pour moi, ouais, on voit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Ça va pas bloquer longtemps. Hein. Moi, c'est ce que je ressens vraiment, regardez par rapport à l'argent. Non, pour moi, c'est bon. Vous aurez satisfaction. Et on voit bien le déplacement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez vous déplacer par rapport à ce visuel, ce face-à-face. Et ça va être des nouvelles positives qui viendront à vous. Et vous sortez le valet de cœur. Soit c'est quelqu'un qui vous accompagne, hein, qui vous soutient, peut-être votre fils, votre meilleur ami, ou du moins une personne qui vous est chère dans votre cadre personnel, qui vous accompagne lors de ce déplacement pour régler ce problème, régler ces différends éventuellement, par rapport à de l'argent, ou du moins par rapport à ce contrat que vous attendez tant. Et regardez, moi je pense qu'il y a d'abord un mail que vous recevez, ou du moins un courrier, vous vous déplacez pour justement débloquer la situation financière, ou voire même par rapport à votre formation. Ok? Donc pas d'inquiétude, hein? Effectivement, peut-être que début de semaine, il y a des choses qui vont bloquer. Cette femme va pas forcément valider votre demande, ou du moins par rapport à cette formation que vous souhaitez faire. Mais pour moi, vous l'avez. Vous l'avez parce qu'il y a cette somme d'argent qui rentre en jeu. Allez, on est parti avec le Béline. On va aller voir du 17 au 23 juin 2024 pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que nous avons? Bon, regardez, on a le présent, on a le cadeau, ok? Par rapport à la trahison, vous aurez satisfaction sur cette femme. C'est clair, clair et net. On parle de procès, on parle de conflit. Peut-être que même c'est une personne que vous avez côtoyée dans le cadre perso aussi, hein, et que du coup, ben, là, voilà, vous allez apprendre un petit peu comment elle fonctionne et que ça ne va pas forcément vous plaire. Ouais, on parle de sagesse de nouveau. On parle du travail. On parle de nouvelles et on parle d'intelligence. Donc,
C'est incroyable, la formation ressort, la formation ressort. Donc oui, si vous êtes peut-être en attente d'une réponse par rapport à un financement, pour moi c'est OK, il y a des nouvelles qui arrivent. Et regardez, vous avez les honneurs et la réussite, d'accord? Et pour moi, vous terminez quelque chose avec cette femme. Soit vous quittez votre travail pour justement vous mettre à votre compte, ou tout simplement vous mettre peut-être dans cette formation. On vous dit que vous avez des nouvelles qui sont concrètes et qui vont vous permettre d'entamer en tout cas ce nouveau processus, cette nouvelle vraiment activité. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Surtout prenez bien bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!